conscient qu'on est ce qu'on appelle, nous, un parent imparfait, qu'on a besoin d'aide, d'accompagnement parfois, et que les solutions ne sont pas forcément propres à nous-mêmes, qu'elles peuvent venir d'autres papas comme les membres du groupe des pères, de partenaires, qu'ils soient associatifs, institutionnels, et que pour ça, il ne faut pas hésiter à pousser la porte parfois d'une association ou d'une structure qui puisse nous accompagner pour nous aider. Ah bah dans l'éducation, on reste dans des schémas classiques. C'est vrai qu'on entend souvent parler de « où est le papa ? Est-ce qu'il est présent ?» L'école elle-même ne joue pas toujours le rôle. C'est vrai qu'on entend souvent le fait qu'on appelle plutôt la maman quand il s'agit de communiquer avec un parent au téléphone ou de convoquer un parent. Le papa lui-même, des fois, a tendance un petit peu à déléguer, mais de plus en plus, heureusement, grâce au groupe des pères, on peut identifier des papas qui, eux, sont au contraire capables de s'investir dans cette mobilisation, dans cette éducation, et de pouvoir montrer qu'ils s'approprient cette fonction parentale au sens propre. Sa place, elle est partout. Elle est dans les quartiers, elle est dans les institutions. On nous sollicite de plus en plus. Les papas eux-mêmes ne demandent qu'à nous rencontrer. Donc on travaille beaucoup sur la communication pour se faire connaître et inviter ces nouveaux papas à nous rejoindre. Les enfants, ils en demandent trop. Ils demandent trop, il est fatigué. Plus de ça, il y a beaucoup des choses maintenant que c'est pas comme avant, moins cher. Maintenant, tout s'est augmenté. On ne peut pas gérer tout. Le groupe de parole consiste à mobiliser les pères dans l'éducation des enfants. Donc, c'est le but aussi, c'est de rassembler au maximum les pères qui puissent échanger avec nous pour faire développer la part de responsabilité de chacun dans un couple. Donc, le groupe des pères qu'on a créé depuis 2016, qui fait qu'aujourd'hui, on termine notre saison par un petit repas partagé. D'après les sondages, d'après les rencontres qu'on a eues ces derniers temps avec nos partenaires, Association Génération de Delivery, d'après les actions qu'on a mises en place, c'est qu'il y a un vrai besoin de que le papa prenne leur place au sein du foyer, en fait, quoi. Et c'est ce qui n'est pas souvent le cas. Et c'est pas un manque d'expérience, c'est juste un manque de savoir-faire, souvent, ou un manque de compréhension, qui fait que souvent, les parents, ils comprennent pas trop quel est leur rôle, et le monde a changé. Ben, nous, ce qui a été vraiment très intéressant pour nous, c'est l'implication des gens à prendre la parole. Et c'est ça c'était très important. On ne les impose pas. On débarque sur un sujet avec notre partenaire Simon qui a mis en place des thématiques. Et du coup, les personnes qui étaient présentes, qui sont présents, ils se sont entrés dedans et ils ont parlé spontanément, quoi, par rapport à leur histoire, eux. Ah oui, on est vraiment accompagné par la CAF, on est accompagné par le Grand Paris Sud, on est accompagné par la ville. Et tout le monde nous soutient dans cette démarche. Et sauf que je ne vous cacherai pas qu'on a vraiment du mal parfois à regrouper les pères. Ça demande vraiment un vrai travail de terrain. Et comme c'est ce savoir-faire que je sais vraiment mobiliser les pères, c'est pour ça que j'ai mené cette tâche sous corbeille, quoi.